C'est difficile. Trop de stress. C'est un métier dangereux. T'as un couteau pointé à toi, une hache. On est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai manqué des Noëls, j'ai manqué des fêtes d'enfants. C'est pas un emploi qui est fait pour tout le monde. Mais. Puis je suis vraiment, vraiment chanceuse d'avoir l'opportunité de faire ce job-là tous les jours. Tu donnes une partie de toi-même, puis ça peut faire des gros changements dans la vie de quelqu'un. Puis ce désir de vouloir faire une différence. Il y a plein d'opportunités. On a plus que 200 possibilités de carrière. Tu vas trouver quelque chose qui t'intéresse. Vous pensez que la GEC au Québec n'est pas présente? On est très présent et ça m'a permis de voyager partout dans le monde, dans des destinations souvent très, très variées. J'ai trouvé que la GRC me donnait aussi les opportunités de pouvoir voyager à travers le pays. Voilà, aujourd'hui, je me suis retrouvé en Colombie-Britannique. Tu deviens membre de la GRC, tu arrives dans une communauté. C'est bien d'avoir la fraternité, justement, avec nos collègues. Je forme des familles avec ces collègues-là. C'est que c'est vraiment un échange, un travail d'équipe. En fond, d'être quelqu'un sur lequel les gens peuvent compter, que ce soit mes collègues de travail, que ce soit les gens de la communauté. J'ai la meilleure carrière. C'est une expérience qui était vraiment enrichissante pour moi. Qu'on soit assis là, à un café là, pour notre premier break là, en 10 heures, et puis que quelqu'un vienne nous approcher pour nous dire, il dit « merci pour tout ce que vous faites ». Pour ça, c'est une grande fierté.